À un moment donné, il m'a demandé de faire une photo en robe accroupie, ce que j'ai refusé de faire. Bien entendu, oui. Je crois qu'il m'a dit quelque chose comme il faut tenir ses engagements. Depuis, tu n'as pas arrêté le combat, quoi. Tu es toujours active, tu es toujours modératrice du compte. Qu'est-ce qui oui. te pousse à ne pas lâcher ça? Mais je pense aux victimes, en fait, qu'elles peuvent se sentir seules avec ça. Peut leur permettre de moins se sentir seules. Tu sais que tu vas prendre cher. Tu sais que tu vas prendre vraiment cher. Parce que quand tu vas avoir des gens devant chez toi, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. J'ai pris des vidéos de toi, j'ai pris tes photos, j'ai fait un dossier sur toi. Tout est prêt. Regarde, ton papa il est handicapé, ta maman elle est au ciel. Mais pense un peu à ta mère, tu crois franchement qu'elle serait contente de te voir comme ça? Moi je vais directement chez toi, je retourne à ta maison direct. Je peux être le porte-parole de toutes ces filles qui ont peur de le faire, parce que c'est sûr que moi tu m'aurais fait ça 10 ans avant, à mes 16 ans, mais une balle dans la tête en fait. Maintenant voilà, le plus grave, bah, c'est les jeunes filles qui se font avoir et qui ont honte, qui ont juste honte, qui ont très très honte d'en parler autour d'elles, et je le comprends. Et c'est rassurant qu'on ne soit pas tout seul dans l'histoire, et on lâchera pas, on lâchera vraiment pas. Bien le bonsoir la TPZence. Voici comme je le fais à chaque sujet sensible, une des amorces essentielles à la vidéo. Afin de protéger l'épisode et moi-même sur le plan juridique, chaque formulation de propos accusateur sera faite au conditionnel et vendue comme selon les dires. Cela bien que toutes choses avancées auront leurs multiples preuves et que je n'ai aucun problème à les transférer aux organismes compétents étant copiées sur 3 supports de données différents. Voilà, disons que ce langage adopté évitera au moins les strikes faciles auprès de YouTube. Ensuite, le nom du principal concerné sera changé et je ne pourrai en aucun cas l'approuver ou le divulguer. Ne serait-ce qu'un simple super like sur un commentaire le mentionnant. Par exemple, une condamnation n'ayant toujours pas eu lieu, contrairement au PDG de Skyrock que j'ai pu plus ou moins anonymiser, voilà, il pourrait ici m'être reproché juridiquement d'harceler l'individu et dénoncer des propos diffamatoires. Bien qu'au départ, ce ne soit absolument pas lui la victime. Cela va aussi de soi dans les skips de strike pour droit à l'image, violation à la vie privée. Alors autant vous dire que j'espère ne pas oublier par tout hasard de flouter une image. Enfin, si grâce à la puissance d'Internet, vous êtes amené à le reconnaître et que son blaze commence à tourner, faites les signalements nécessaires sur ses comptes encore actifs. Mais n'allez surtout pas harceler cette personne. Vraiment, j'insiste. Cela desservira le message, le but de l'alerte et lui donnera malheureusement des armes pour se retourner contre nous. Si je fais cette vidéo, c'est simplement pour avertir comme je le peux sur toutes ces pratiques, une audience que j'arrive à toucher, qui est d'ailleurs de plus en plus grande, merci à vous, afin d'éviter que des schémas similaires ou même mieux montés se reproduisent et que les dégâts actuels soient reconnus. Il se trouve en plus de ça que la personne sujette à la vidéo se dit artiste rap, pop et est accusée d'avoir arnaqué des rappeurs. Alors c'est bon, le sujet reste pertinent pour la chaîne. Mais vous voulez que je vous dise, il est tellement conséquent que rap ou pas rap, à un moment donné, c'est même plus la question. Si tout le monde attend que quelqu'un d'autre en parle parce que ça relève plus de sa catégorie, hein. On n'en a pas fini. Avant de rentrer dans l'introduction de la vidéo, j'aimerais remercier quelques personnes qui m'ont aidé à construire dans le fond l'épisode, notamment le vidéaste Le Radis Radier pour ses multiples conseils autour de voilà, divers thèmes. Hein. Ceux qui le connaissent, vous le savez, c'est un expert en la matière en termes de révélation et lancement d'alerte. Merci également évidemment à toutes les victimes pour leur courageuse contribution. Enfin, salutations à mes contacts dans le juridique pour leur relecture de fond et aux fidèles sponsors CyberGhost VPN. Au niveau youtubesque, ils m'ont supporté sur le précédent documentaire et pour l'entertain perso, sachez que grâce à l'appli, j'ai pu débloquer les messages vocaux sur Twitter et visionner gratuitement des courses de F1 depuis la Belgique en France. Tu payes. À part ça, ce VPN permet de masquer ton adresse IP et chiffrer tes données de manière sécurisée afin d'éviter d'être piraté ou victime de sites malveillants sur internet. CyberGhost est disponible sur toutes les plateformes, PC, tel, console, Smart TV. Sur les 38 millions d'utilisateurs, beaucoup l'utilisent pour débloquer l'accès au catalogue de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime. Moi je l'utilisais et l'utilise surtout pour accompagner mes recherches en ligne. Si tu veux partager l'abonnement en famille, tu peux aller jusqu'à 7 appareils à la fois. Donc let's go. Depuis le lien en description, vous pourrez accéder à leur service de réseau privé virtuel pour 2,03€ par mois avec 4 mois gratuits, réduction de 83% par rapport à d'habitude. Et après coup, si vous n'êtes pas satisfait, il y a la garantie 45 jours pour vous faire rembourser via un support français. En 2020, on est en pleine période de révélation sur le rap d'Instagram. Et à ce moment-là, un rappeur m'écrit pour me montrer un certain message. Ça y est, c'était parti, TPZ l'inspecteur Gadget, fallait tout lui envoyer. Dans ce message, sont fortement valorisés de multiples services proposés par quelqu'un que nous appellerons ici Monsieur X, mais rien d'étrange à première vue. L'artiste qui s'est fait DM était en indé. À cette période, il cherchait à promouvoir son projet et ça se savait publiquement. Et puisqu'en plus il a une certaine audience, le message reçu coulait donc de source. Par curiosité, on regarde ce fameux compte mentionné et à l'époque, on tombe sur une page à 200 000 abonnés. Son propriétaire se dit artiste, musicien, acteur, producteur. Il tiendrait même d'après ça
sa bio une société de promotion radio, web, télé. Quel businessman polyvalent, Musk en PLS. Le truc, c'est qu'au-delà du fait qu'il en fait trop, on remarque en vraiment même pas deux secondes que c'est un compte boosté et que donc derrière, rien n'est crédible et que ça a 99% de chances d'être une douille. Donc, next. Juillet 2022, on retombe sur lui par hasard. Et là, le compte est désormais suivi par plus de 2 millions de personnes, les posts ont en moyenne 200k likes, les stories vendent du rêve. Wow! C'est pas ça. Ça y est, il a vraiment percé en fait. Pas en France alors, parce que bizarre qu'on l'ait pas vu passer. Et sa fameuse entreprise alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que son compte est moins fourre-tout qu'avant, il s'est retiré des étiquettes, a vraiment gagné en crédibilité apparente, et je souligne ce mot-clé. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2 ans? Si vous saviez comment je n'étais pas prêt à prendre conscience de tout ce qui allait découler de ces simples questions, et cela depuis tellement d'années. Chantage sexuel, acte pervers, arnaque, usurpation d'identité, pornographie, destruction de carrière, vol, harcèlement ou encore accusation de calomnieuse, menace de mort, médias payés et pratiques commerciales trompeuses. La liste est longue et je n'en ai même pas assez d'oxygène. Bienvenue dans cet épisode où nous allons retracer plus de 6 années de malveillance occasionnant d'innombrables victimes et dont il n'y aurait qu'un seul et unique responsable qui exerce encore bien trop paisiblement, Monsieur X. Ce qui a complètement trahi Monsieur X, à mon égard, c'est la plus imparfaite de ses vitrines, son compte Instagram principal aux statistiques trafiquées. Mais genre complet. Or, de ce que j'ai pu comprendre puis et constater, ce n'est pas seulement grâce à ce dernier qu'il opérerait. Il y aura en effet 3 à 4 autres méthodes dans son écosystème qui sont plus réalistes, disons très différentes, et qui n'a d'ailleurs pas toujours relié entre elles pour ne pas éveiller non plus 15 000 soupçons. Avec le temps, il les a même bien dissociés. À savoir que la plupart des personnes qui seraient victimes de ces agissements se sont faites avoir par ces fameuses autres méthodes. Je leur réserverai un chapitre à chacune d'entre elles. C'est pour cela que je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir ne pas sous-estimer les victimes tout au long de l'épisode, en ne perdant pas non plus à l'esprit que nous sommes tous différents, que divers éléments peuvent peser sur la balance, et que parfois, l'accumulation de tout joue beaucoup. D'après l'ancienneté des preuves récupérées, nous serions face à un homme inarrêtable depuis 2017, avec déjà quand même des petits éléments qui annonçaient une belle carrière d'escroc remontant à 2014. En 2022, un dossier a été déposé contre lui auprès du procureur de la République de Toulon, Samuel Finiels. Nous verrons bien ce que la justice fera, pour l'instant, il n'en est rien. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les mains courantes et plaintes déposées jusqu'ici n'ont pas non plus porté leurs fruits. Malgré les folies que compose le dossier, comme vous allez voir vraiment, je vais vous montrer les éléments tels quels, on parle là de plus de 200 pièces. La toile s'enflamme pour moins que ça d'habitude. Avec cette vidéo, j'espère que le bourdonnement médiatique sera suffisant pour accélérer les choses, ou du moins peut-être commencer à les traiter, je sais pas, bon, proposition. On arrive sur la petite preview croustillante de l'enquête afin de la compléter et récupérer des preuves complémentaires de moi-même. J'ai eu affaire à lui via un profil de rappeur monté de toutes pièces, hein, nommé Jacob. Voilà, donc pendant 8 semaines, j'ai porté cette nouvelle casquette pour qu'il n'y voit que du feu, ce qui m'a inévitablement amené à enregistrer des morceaux. On en reparle dans le dernier chapitre. Oui, vous allez m'entendre rapper, oui. Alors voilà, je dis affaire à lui, mais en réalité, on soupçonne qu'il y aurait plusieurs personnes dans la boucle. J'ai justement réceptionné des preuves écrites et verbales qui incluraient des complices agissant ou au moins au courant et tolérant ces choses-là. Comme par exemple la mère de Monsieur X qui a bloqué et laissé sans réponse une victime après que cette dernière lui a envoyé une série de témoignages en 2021. Vous voyez, c'est tout frais. Ou encore d'autres chanteurs et businessmen proches de Monsieur X. Petite précision, l'individu vivrait encore à l'heure actuelle chez ses parents, sachant qu'il lui ont été expédiées plusieurs plaintes de professionnels et particuliers. L'ignorance des parents me paraît peu probable. Désormais, commençons par entrer crescendo dans l'univers de Monsieur X. Commençons avec le chapitre le plus léger. Quand on dit que sur internet on peut facilement faire croire tout n'importe quoi, y en a un qui l'a bien compris, peut-être même un peu trop. Comme je disais, Monsieur X a une notoriété d'artiste et d'entreprise boostée. Je ne vais pas m'y attarder trop dessus, voici la surface visible de l'iceberg. Des faux profils à foison dans ses follows, des commentaires remplis d'émojis sans plus de 3 mots, que ce soit en anglais ou en espagnol, avec sur certains posts quasiment que des comptes validés en commentaires. Alors eux, pas besoin d'avoir Bac plus 15 pour capter qu'ils sentent bien fort l'inscription un bot service. Alors ce qui est rigolo dans tout ça, c'est qu'on parle quand même d'un artiste qui est censé être de chez nous, qui pose en français, il communique en français, donc son audience devrait être française. Ah mais c'est vrai, les packs de commentaires francophones doivent coûter trop cher. Et un petit peu d'empathie pour lui, merde. C'est faux. Mais attendez, on est où là? On fait les choses de manière plus précise ici quand même. Le Social Blade ne ment jamais, on reconnaît bien un relevé de statistiques très anormal, d'une part, 2, complètement instable, et donc 3, absolument pas crédible. Cela, sur tous les réseaux qu'il possède. À titre de comparaison, regardez les miennes, c'est bien plus cohérent. Et pourtant, ça ne l'a absolument pas empêché de recevoir son trophée YouTube et d'être certifié
sur tous les réseaux. Information cruciale, Hugo, en rouge, vraiment frère. Et maintenant, quant aux vues que peuvent générer ces posts, ils s'autocrament complètement sur leur véracité. Et voilà que ça t'annonce un post à 609 000 vues. Et bizarrement, 52 semaines plus tard, rien n'a bougé. Waouh, la percée. Time. Bon, rien de bien extraordinaire jusqu'ici, me diriez-vous. On continue. Sa fausse notoriété, Monsieur X va la perpétuer sur sa musique, carrément. Hein. Voilà, il va mytho sur ses nombres de streams, ses auditeurs mensuels, ses scores de vente. Le mec, il communique faire des 48 millions d'écoutes sur l'année, des 40 000 ventes d'albums en première semaine. Alors évidemment, tout ça est fait pour s'auto-saucer et promouvoir les qualités de son entreprise. Mais pas du tout. Il serait en réalité à même pas 13 000 auditeurs par mois sur Spotify. Et si je dis serait, c'est parce qu'encore une fois, la précision, il n'atteint même pas les 50 vrais streams par jour sur Spotify. Et ses plus gros streams d'ailleurs ont été à chaque fois bizarrement atteints en un seul jour. Ah, et ça fait plusieurs fois que vous me demandez, quand je vous montre sur le screen, comment tu fais pour voir ça. Alors, je me réfère au service Spotify Artist et l'interface n'est pas accessible au public. Et là, vous allez me poser une nouvelle question, vous allez me demander, mais est-ce que ton gars là qui fait tout ça, on le retrouve au moins dans la presse? Est-ce qu'il y a déjà eu des articles à son égard? Voilà, soit pour le promouvoir, soit pour le taper. Peut-être que vous voulez des indices. La réponse est oui, il a eu le droit à l'attention de la presse écrite et même télévisuelle malgré un total succès d'apparence. Et ça ne va vraiment pas aider d'ailleurs tout ça pour la suite. L'équipe France 3 de sa région est complètement tombée dans le panneau des faux chiffres communiqués, lui offrant donc un reportage il y a quelques années de ça, pour parler de son fameux succès, la nouvelle pépite de tel endroit, et pareil pour le journal régional. Super le travail journalistique. Quant aux publicités web, elles vont être publiées par des vieilles pages aux fréquentations vraiment aujourd'hui qui se résument peut-être à zéro, mais néanmoins bien connu à l'époque, surtout pour leur fonctionnement monétaire. Dessus, au-delà du fait qu'il ait payé ses pubs, il a carrément fait marquer ce qu'il voulait, tous les articles se ressemblent, en s'inventant notamment gagnant d'un concours qui aurait été organisé par un des rappeurs les plus importants de France en 2016, si je dis pas de bêtises. Voilà, complètement inexistant. Le même genre de mensonge avec des petits médias américains, il a fait croire qu'ils étaient dans le top, alors que pas du tout, ils sont même pas dans le top des 30 plus populaires. À part ça, il a aussi Photoshop des publicités de lui sur des grands panneaux d'affichage dans les rues sûrement des villes les plus populaires d'Amérique. Mais le problème, c'est que si on zoome bien sur cette petite image, bah, les pixels débordent du cadre, quoi. Conclusion de cette première partie, sur sa carrière d'artiste, tout serait absolument donc pipé. Rentrons désormais dans le vif du sujet, où nous verrons qu'à côté de son entreprise, sa personnalité artistique n'est qu'un pion, ou plutôt un outil de bluff très utile pour appuyer l'illusion et déployer son filet. Alors, si vous ouvrez Google et que vous tapez un certain groupe de mots-clés, vous allez tomber sur sa page Monsieur X Corporate sans problème. Genre vraiment en direct. Il est évident que je peux pas vous dire quoi écrire, sinon tout ce que j'aurais flouté là, les heures de floutage auront servi à rien. Mais sachez que suite à ce très bon référencement, il y a énormément de trafic sur sa page et donc bah, de gens qui tombent dans le panneau. L'entreprise MX Corporate proposerait énormément de packs publicitaires digital. Le champ des possibles est grand et il y en a pour tous les budgets. Alors évidemment que ça vient intéresser plusieurs personnes. Sauf qu'encore une fois, ça sent l'escroquerie sur plusieurs points et nombreux se sont fait avoir dans cela. Et c'est vrai que j'avais pas fait mon enquête tout de suite, moi j'ai juste vu au premier abord l'image qui donnait quoi. Et donc je l'ai contacté pour ça, il me propose un package à 400 €. On se donne rendez-vous sur la partie témoignage pour retrouver en version complète la tribune d'une artiste que j'ai recueillie. Premièrement, dans la suite logique de se construire une fausse irréputation, Monsieur X serait allé avec sa société jusqu'à commettre ce qui est considérable comme un délit. Tout ça pour se différencier de ses concurrents. Si l'on visite un petit peu son site web, nous avons TF1, Capitole, Fun Radio, Skyrock, etc. qui ont leur logo directement sur la première page dans un bandeau comme s'il s'agissait de partenaires ou au moins collaborateurs réguliers chez qui on sous-entend qu'il est possible d'apparaître via un pack promo par exemple. Sans les nommer tels quels, il est malin. Il crée la confusion pour le prospect qui, car ce sont les codes du web d'afficher des partenaires ainsi et que les entités sont affichées sur la page vitrine du site, va les associer au service proposé alors que c'est pas le cas. Toutes ces entités n'ont jamais déclaré être en lien avec Monsieur X Corporate. Il n'y a pas non plus de traces de collaboration passée dans de la promo ou autre. Alors j'entends déjà d'ici sa potentielle défense qui serait de dire que s'ils sont affichés là, c'est parce que in fine ça se résume à envoyer des mails, que c'est déjà ça. Ça serait culotté quand même, hein. Mais bon, on est plus à ça près quoi. Et tout ce que je viens de dire, cumulé au fait qu'il s'octroie le titre du numéro 1 promoteur de France, numéro 1 dans le domaine du marketing digital ou encore meilleur site de promo pour les artistes, il y en a jamais assez quoi. On serait complètement dans le cas de deux pratiques commerciales trompeuses qui relèvent
du délit. Le code de la consommation précise qu'une pratique commerciale est trompeuse si, par exemple, elle repose sur des présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur la portée des engagements de l'annonceur, ici avec les marques présentées, et ses qualités substantielles, en faisant état de titres non possédés. Là, nous serions pleinement dans ce cas de figure, n'est-ce pas ? D'après mes sources, pourrait même rentrer en jeu le code pénal et le code civil fondés sur l'escroquerie et le dol. Alors on n'a pas fini et on tient bon, parce que comme si ça n'était pas assez gros, si je remonte des archives, il a même prolongé la tromperie pendant quelques années via son LinkedIn récemment supprimé. Problème, c'est que j'ai le screen. Dessus, il se disait être manager of marketing à la fois chez UMG et Warner sur la même période. Le poteau réalise ce qui jusqu'ici n'était jamais vu avec un intitulé de métier inexistant. Et encore une fois, c'est bizarre parce que quand j'écris à une ancienne employée qui a travaillé chez UMG entre 2015 et 2020, elle me dit le connaître de nulle part. Ah, encore. Là, j'en rigole doucement parce qu'il en est ridicule, mais voyez-vous, pour des personnes qui ne sont pas autant averties, qui n'ont pas autant de recul, qui ne se prennent pas la tête à tout vérifier au mot près, et surtout qui sont en recherche hyper active, hyper urgente de promo, c'est normal, en fait, qu'il arrive à en piéger. Je te dis, le mec a trop à perdre pour autant mentir. Enfin, quand même, il ne prendrait jamais le risque d'énoncer autant de fausses choses qui pourraient lui porter préjudice. Alors, tu crois à sa vitrine. Puis même si l'on opte pour l'option de base qui est de vérifier ce qu'il avance via les avis et commentaires Google, pour 90% d'entre eux, il serait tout aussi faux que ceux de son site intégrés par lui-même. Et bien voilà, regardez, il n'y a qu'à voir le nombre d'autres avis déposés par ces mêmes comptes, leur contenu, parallèlement à ce que pointent du doigt les commentaires à une étoile. Puis regardez comment il répond à un commentaire négatif à coup de « cher concurrent », donc encore faut-il les considérer, ces avis négatifs. Puis quoi se dire d'autre ? Tout le monde en a des avis négatifs. Et surtout, bah, ils sont perdus à travers les centaines d'avis positifs. Si maintenant, on jette sa société pour voir si elle est un minimum crédible, tu vois de belles photos d'open space, et comme elle est en plein Paris, voilà, tu te dis qu'il brasse et qu'il est retrouvable s'il y a un problème. Or ça aussi, c'est faux. Après une recherche avancée Google, on remarque qu'il utilise une image volée à un cabinet de recrutement et que son bureau n'est absolument pas sur Paname, mais en Normandie. L'adresse qui le localise à Paris est juste une domiciliation commerciale et non fiscale, donc ce qui ne le cache absolument pas, prise chez une entreprise spécialisée dans ça. Sacrée vitrine de société, elle aussi montée de toutes pièces par Monsieur X. Mais alors, part-il à chaque fois avec l'argent du client ? Comment fait-il pour les faire taire ? On parle de services quand même qui valent entre 80 et 7000 balles et souvent, il arrive à choper des 3 chiffres par client. Et bien sachez que dans la plupart des cas, il tient ses engagements. Enfin, en surface. Car ça ne se passe pas comme vous pouvez l'imaginer. Donc moi, sur mon clip musical, en 2 semaines, j'avais réussi à collecter près de 11 000 vues. Ce qui est magnifique. Et lui, en un soir, en fait, ça m'appelle. Ça me fait « Meuf, putain, on va voir et tout, c'est un délire et tout. » Et je regarde, de 11 000, j'étais passée à 27 000, un truc comme ça. Mec, en 2 semaines, je galère, entre guillemets, à avoir tant de vues. Toi, en moins de 24 heures, en un clic. Enfin, je regarde sur mes statistiques, le pic, il est monté d'entrée. Enfin, prends pas pour un con, en fait. Genre, t'as enregistré près de 17 000 vues, je sais pas combien, en temps. Enfin, ça fait 4 ans que je suis dans la musique, je suis là, je galère, frère. Le mec, en un clic, il me nique tout, en fait. Après avoir analysé ces services et recueilli le témoignage d'une dizaine de victimes, autant vous dire que vous feriez mieux de piper votre irréputation vous-même. Il y aura la main devant moi. Ah oui, info bonus, il prendrait même un plaisir sadique à tenir le deal initial auprès des artistes qui tombent dans le piège. On en reparle sur le chapitre dédié aux artistes. De ce fait, puisque sur la plupart des prestations, on retrouve ben, voilà, ces fameux chiffres numériques vendus, il est probable de retrouver des commentaires de vrais personne concernant Monsieur X Corporate. Mais voilà, faut être assez stupide pour n'y avoir vu que du feu quant au résultat des services. Ah, et j'ai failli oublier avant de passer au prochain chapitre. Voyez-vous, en ayant le trophée YouTube non mérité et ses réseaux sociaux tous certifiés, la fameuse information cruciale. C'est un fucking argument de poids pour anéantir les doutes des non-avertis. Qu'est-ce qu'ils en savent que pour YouTube, peu importe comment t'as eu les 100 000 abonnés, du moment que t'as le compte bon, t'es bueno, que pour n'importe quel réseau, de toute façon, ils sont tous détenus par Facebook, ben, la plupart, t'as juste besoin de 2 à 3 articles de presse qui datent de moins de 3 mois et après, t'es éligible au badge, on se rappelle de ce que j'ai dit par rapport à les articles le concernant. En gros, là, ça veut dire que si la vidéo pète et que la presse écrite se décide à relayer, je peux potentiellement me faire certif. Bon, vous l'aurez compris que pour de simples internautes sans beaucoup de notions, c'est l'entreprise presque parfaite, à quelques détails près, qui sont corrigés par le reste. Voilà. Passons pour l'heure au chapitre le plus conséquent, la chasse aux femmes et adolescentes. Pour cette nouvelle facette des activités de Monsieur X, rendons-nous sur Facebook. Dessus, que ce soit via sa vraie identité puis des fausses, il aurait fait énormément de mal à la gente féminine. Je ne saurais vous dire un nombre exact. J'ai donc pour cela demandé une estimation à l'une des principales activistes contre Monsieur X.
tu estimeras combien le nombre de victimes de... Je pense une vingtaine, voire plus. Et honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup de non déclarés. Que faisait MX sur le réseau social de Marcus? Voire que fait-il encore? D'abord, il a commencé à traîner sur divers groupes à la recherche de profils féminins, à inviter un ami, puis contacter pour leur proposer en privé des contrats d'artistes modèles hyper complets ou de figuration dans un clip, évidemment, rémunéré. Vous avez à l'écran quelques messages envoyés via sa vraie identité. Or, au début, voilà, il était un peu trop direct, cachait moins son jeu qu'au fil des années, lors des échanges. On voit ça après. Ce qui a commencé à amener des femmes à le dénoncer, se regrouper contre lui, donc il s'est fait griller, changement de stratégie. Il se serait alors mis à créer de faux comptes aux identités inexistantes et aux emplois fictifs, à coup de travail chez Universal, Shane, habitant à Monaco, bref. Puis, est reparti en guerre. D'ailleurs, j'ai reçu un message de la part de Shane, là... Ça commence à en faire des démentis. C'est hallucinant le nombre de groupes qu'il a pris d'assaut avec ses très bons plans en très peu de temps. Au fil des expériences, il a tenté de renforcer la véracité de ses offres par des affiches de recrutement ou encore en rentrant dans les clichés de l'opportunité marketing. Fin 2020, il s'en mettra même à rédiger un long descriptif détaillé citant une entreprise qui, encore une fois, m'a affirmé n'avoir jamais compté cette personne dans leur agence et a même déposé une plainte contre cette identité fictive. Inutile, mais... Que faire de mieux? Dans tous les cas, que ce soit via de vraies ou fausses identités, il aurait mis en place le même schéma en cascade et sans trop traîner. Prenons des cas où il a réussi à avoir ce qu'il veut, on verra d'autres situations un peu plus fâcheuses pour lui après. D'abord, il va y avoir la super offre qui va ouvrir l'échange en DM. La femme ou jeune femme va se retrouver assez surprise, voilà, de recevoir une telle proposition dont elle rêvait par passion ou besoin financier tout simplement, et répond qu'elle aimerait savoir comment ça va se passer. Sans trop tarder, il exprime un besoin d'avoir plusieurs photos prises dans la journée de la part de sa cible, mais pas n'importe comment. Des photos en talons, jupe, puis ensuite en sous-vêtements, dans des positions accroupies pour, je cite, voir comment elle pose, quel est son style. Dans certains cas, pour ne pas perdre de temps et montrer précisément ce qu'il recherche, il enverra les photos intimes d'autres femmes également piégées, cela même alors qu'il dit à chacune d'entre elles que ça restera privé entre eux, ensuite ça sera supprimé, etc. Dans ses nombreux échanges, il a tendance à presser la personne. Il lui faut impérativement ses photos dans la journée. Ce soir max, c'est important pour profiter de la fenêtre de confusion qu'il fait naître en elle, tout simplement. Avant qu'elles aient le temps de réfléchir ou en discuter avec leur entourage, leurs proches ou même leur mari le soir. Car oui, il a même réussi à attraper une mère et sa fille, leur demandant de plus en plus de photos pour plus d'avantages financiers dans ces fameux contrats évolutifs, voilà le genre de contrat à palier qu'il appelle. Et pour cette affaire, c'est le père qui a mis un gros stop. Maintenant que j'y pense, comme on va le voir dans quelques minutes, il a l'habitude d'opérer à du chantage avec chaque victime qui l'interrompe dans ses désirs. Mais ici, de ce que je sais, il n'y en aurait pas eu. Et que tel un lâche, il fuit quelconque conflit qu'il considérerait comme... plus coriace, puisque malheureusement, d'autres demoiselles n'ont pas eu cette chance d'avoir un obstacle à Monsieur X auprès d'elles, et ont subi ses ordres. C'est le cas par exemple de cette jeune femme sur les screenshots, qui s'est retrouvée manipulée par les requêtes perverses de Monsieur X et sa promesse de contrat. Si maintenant, il considérait ne pas avoir assez de photos et que les filles ne voulaient plus lui en envoyer, il menaçait alors d'envoyer via les amis Facebook tout ce qu'il avait récupéré jusqu'ici aux connaissances des victimes. Que pouvait-elle faire? Le problème, c'est que répondre à son chantage n'aurait en réalité fait qu'aggraver les choses. Une victime serait allée jusqu'à lui envoyer une vidéo de masturbation à sa demande, et même là, le chantage aurait été prolongé. Pénalement, cela peut être considéré comme du revenge porn, et comme le mentionne l'article 226.2.1 du code pénal, c'est punissable de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. D'ailleurs, parenthèse, après des mois d'enquête, je n'ai trouvé qu'une raison palpable à ce chantage, c'est tout. Ce serait celle d'amasser de l'argent, que ce soit sous menace de diffusion ou de licence à payer pour ensuite pouvoir signer le fameux contrat pro. D'un point de vue civil, la violence psycho et le dol pourraient être envisagés. Au niveau du pénal, chantage, abus de confiance, escroquerie, menace, harcèlement moral et sexuel. Sauf que souvent, il n'y aurait aucune histoire d'argent en jeu, en fait. Alors je me suis dit, mais c'est quoi son but? Pourquoi elle fait ça? J'en suis venu à questionner une pathologie psychiatrique. Comme je vous dis, franchement, outre assouvir un potentiel besoin de contrôle, de jeu de rôle, vendrait-il les photos récupérées sur certaines zones du web? Quoi qu'il en soit, j'ai quand même essayé de demander l'avis à un psychiatre. Ça va être difficile, avec les informations que tu me donnes, de donner un diagnostic. Là, on n'a que les actions qu'il fait, on n'a pas les raisons de ses actions, les mécanismes psychiques qui engendrent ses actions, donc c'est assez compliqué.
compliqué si on l'a pas en face de nous, si on lui pose pas certaines questions, de poser un diagnostic. Cependant, on pense quand même à un diagnostic de trouble de la personnalité assez rapidement. Le synonyme un petit peu de psychopathie en psychiatrie, c'est le trouble de la personnalité antisociale. En gros, mépris et transgression des droits d'autrui depuis l'âge de 15 ans. Et ça comprend au moins 3 des 7 critères suivants. Une difficulté à se plier aux comportements légaux pouvant entraîner des arrestations. Une tendance à tromper pour le profit personnel ou par plaisir avec des mensonges répétés. L'utilisation de pseudonymes ou des escroqueries. Une impulsivité ou une incapacité à planifier à l'avance. Une irritabilité et agressivité avec, qui s'exprime parfois par des bagarres et des agressions. Un mépris inconsidéré pour sa sécurité ou alors celle d'autrui. Irresponsabilité persistante, indiquée par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. Et finalement, une absence de remords qui s'exprime par une indifférence ou des justifications après avoir blessé ou maltraité quelqu'un. Il faut savoir que ce trouble de la personnalité qui est bien codifié peut être tout à fait mixte avec un autre trouble de la personnalité, le trouble de la personnalité narcissique aussi. Pour ça, il faut vraiment avoir le patient en face, mais en tout cas, ça peut être une piste à explorer. Maintenant, quand il n'arrive pas à ses fins ou se retrouve face à des personnes qui relaient publiquement ses comportements et nuisent à son business de chantage sexuel, voici ce qu'il se passe. Publiquement, sur ses fameux réseaux sociaux certifiés aux millions d'abonnés, il va tenter d'apeurer les courageuses lanceuses d'alerte en citant ouvertement leur identité et communiquant sur un dossier juridique en cours pour diffamation. Voilà, je cite, je suis victime de diffamation, blablabla, bla bla, fausse capture des blablabla, bla, bon voilà. Et voilà que on voit un dépôt de plainte, appuyé par des commentaires disant que eux aussi ont été embêtés par la lanceuse d'alerte. Pour se venger, il veut tout simplement faire croire à la madame qu'elle est en train de tomber dans un tourbillon de problèmes juridiques et de réputation ruinée, alors que pas du tout. Puis il se trouve, après fouille du peu de comptes non fake, que l'une des personnes en commentaire habite la même ville bizarrement que Monsieur X et est ami avec son compte personnel. Un autre, quant à lui, qui se serait aussi fait embêter, est accusé d'arnaque sous ses propres publications. Alors permettez-moi de douter, qui plus est avec tout le mensonge accumulé jusqu'ici, de la fiabilité de ces gens. Ça, c'est pour le côté pleurniche info publique. De manière plus cachée, c'est pas du tout la même ambiance. Entre les insultes vulgaires et sur le physique par écrit, les vidéos privées postées par Vengeance, ces messages d'harcèlement récurrents faits par des multiples faux comptes, sans oublier les menaces portant atteinte à la vie privée de la personne, les coups de pression sur les membres de la famille, la divulgation d'adresses postales, l'intimidation multiple avec un complice chanteur, ou encore, et oui c'est pas fini, l'utilisation du décès d'un proche, d'un handicap familial ou d'une perte d'emploi récente pour jouer sur la corde sensible, tout y passe. Comment ça arrive jusqu'à ce qu'il y ait une tension suffisamment forte pour que toi tu viennes à créer un groupe et lui jusqu'à ce qu'il diffame sur toi, qu'il t'accuse d'avoir des photos à caractère pédopornographique comme tu me mentionnes dans ton message? Comment toi tu lui as fait peur pour qu'il contre-attaque un peu comme ça entre guillemets? Moi je pense que c'est parce que il a vu les photos que j'ai mis et que c'est des victimes qui me les ont envoyées. Il a essayé de te mettre la pression pour que tu supprimes les photographies, les screenshots que tu avais en possession, c'est ça? Oui, et puis il y a un complice aussi. Comment tu as vécu toute la pression qu'il t'a mis en colportant à la fois de fausses accusations sur toi? Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, quoi? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Au début, j'avais peur qu'il porte plainte contre moi, mais comme il a dit, il a pas d'éléments. Tu as des nouvelles de lui? Est-ce qu'il vient souvent t'emmerder, grossièrement dit? Ben là, ça fait un moment qu'il l'a pas fait, mais avant, il utilisait des comptes piratés pour m'inventer des plaintes. La femme que vous venez d'entendre se fait harceler par Monsieur X depuis 2016. Son nom sur internet est rattaché à des accusations calomnieuses en tout genre montées de toutes pièces, sans base, cela juste dans l'optique de salir sa réputation. Et là, à l'ère du tribunal d'internet, condamnation systématique, où on ne se concentre que sur la partie émergente, ça peut encore la suivre très longtemps. Et pourtant, sachez une chose, c'est que malgré tout, elle n'a pas cédé aux pressions de Monsieur X qui voulait la faire taire. Respect. Voyons désormais encore deux modes d'emploi qui relèveraient de ces escroqueries. Vous vous souvenez de cette époque Facebook où les concours iPhone, Samsung, Xperia et j'en passe pullulaient, voilà, pour soutirer de l'argent via des numéros surtaxés pour vérifier le code. Eh bien devinez quoi, Monsieur X était non seulement l'un d'entre eux, mais dirais-je même l'un des plus gros requins. Sa stratégie la plus courante était créer un faux profil de célébrité, faire quelques posts mensongers, envoyer énormément d'invitations, d'amis et de secondes. Oh,
et lancer l'hameçon. J'ai pu en tout récupérer plus de 10 identités qu'il usurpait ou encore avait réussi à voler les pages officielles. Demi Lovato, Marina Kaye, Cyril Hanouna, Louane, Paga de l'émission Les Marseillais, Azerka et Emma2X, bon voilà, deux chanteurs à l'ancienne. Et ça remonte aux années 2016-2017 et c'était cramé de loin qu'il s'agissait de la même personne derrière ses comptes et surtout de Monsieur X. Je m'explique. Les soupçons naissaient toujours de la manière dont les posts étaient rédigés, plus le fameux argument « arrêtez de me demander si c'est moi, blablabla, c'est moi bien sûr hein », de l'ancienneté des profils et de là où il balançait ses posts. Il n'en fallait pas bien plus pour remonter à lui. Dans le cas de Marina Kaye, ce blaireau avait oublié d'enlever l'une de ses propres photos personnelles sur le profil faussé. Pour Paga, il avait repris le compte qu'il utilisait sous l'identité volée de Azerka, avec lequel il avait déjà posté des tentatives d'escroquerie, oublié de supprimer les vieux posts, et surtout via lequel il avait menacé des lanceuses d'alerte. D'ailleurs, pour appuyer le fait que voilà, c'est la même shit derrière, en prenant l'identité de Azerka, il avait encore une fois oublié de clean les photos qui, bizarrement, sont les mêmes que celles qu'il avait sur le compte à l'époque où il avait carrément sa vraie identité. Quant à Emma2X et Louane, ils se servaient également de leur identité pour menacer les gens en prise. C'est dire, le producteur de Marina Kaye, qui voyait l'image de son artiste se salir, a agi auprès de Facebook pour signaler Monsieur X, mais cela sans succès. Voilà, Facebook ne peut pas vraiment empêcher quiconque d'utiliser sa plateforme et il recrée sans cesse de nouveaux comptes pour arriver sur la page officielle de Marina afin d'imiter ses fans et rebelote et rebelote. J'ouvrirai la vidéo avec cette info. De nombreux artistes se sont fait contacter par des complices ou des comptes volés slash faux pour rapatrier de la clientèle à Monsieur X Corporate. L'épisode a continué en évoquant également qu'il avait un trafic et de la clientèle naturelle. On va rentrer dans des cas concrets avec également le mien par la suite avec ma fausse identité Jacob. D'abord, quant aux témoignages que j'ai amassés, prenons l'expérience de deux artistes que nous appellerons ici Enzo et Lucie. Enzo s'est fait démarcher, a compris le bourbier, s'est dressé contre lui et a eu droit à la rage de Monsieur X, le narcissique égocentrique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est empressé d'aller spam ses commentaires YouTube avec de fausses accusations de pédophile et autres commentaires du genre pendant des jours. Quant à ce qu'il lui disait en DM, ça n'a absolument aucun sens. On sent juste qu'il est frustré, qu'il veut blesser, dénigrer le rappeur en face de lui, auprès de qui il n'a réussi à rien obtenir. Enzo étant indisponible, je n'ai pu recueillir plus de son expérience. Maintenant pour Lucie, c'est autre chose. Il m'a brisé, en fait, clairement, il m'a brisé parce que c'est le fameux morceau, c'est le fameux titre pour lequel il a fait la fameuse promotion. C'est l'histoire de ma vie, un peu. J'y ai mis toute mon énergie, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis tous mes sous, même si tu veux savoir. C'était entre guillemets un peu l'espoir de voilà, j'y mets tout, voilà, je le balance et puis à suivre. Et en fait, il m'a brisé quoi. En termes de crédibilité, enfin le mec il m'a tué quoi, surtout sur ce morceau-là. De manière concise, elle est justement elle tombée dans le filet de la page web. À cette époque, et on verra pourquoi je dis ça après, la stratégie de Monsieur X était de prendre voilà ses tout nouveaux, tout frais clients pour parler de divers sujets en appelle FaceTime et essayer de prendre en charge un maximum de services. Lucie ne va pas y échapper, il ne cesse de lui montrer qu'il connaît bien son métier et que tout va bien se passer. Alors, elle va lui accorder sa confiance et va choisir le pack de promotion XXL d'une valeur de 400 euros. Sauf que, tout ne va pas se passer comme promis. Elle avait bien mentionné à Monsieur X qu'elle voulait une vraie exposition et pas de l'achat de vue, je ne sais où, Argentine, Brésil. Résultat des comptes, en tout juste un soir, elle passera de 11 000 vraies vues à 27 000 vues. Comme ça. Évidemment, elle comprend que c'est anormal et surtout que les commentaires, likes et abonnés ne montent pas. Elle lui exprime alors la volonté d'interrompre immédiatement la promotion. Et chose qu'il lui refuse, puisque on n'annule pas une promo chez MX Corporate. En tout, il y aura plus de 100 000 vues achetées dans je ne sais quel autre pays, discréditant l'artiste qui a pris des années à se bâtir une crédibilité. Mais pas de panique, le positif arrive. Parce que vous savez quoi? Entre-temps, le karma va frapper à la porte de Monsieur X. Monsieur X est en réalité suspecté d'escroquerie depuis un bon moment maintenant par la banque qu'il utilise pour faire ses coups, à cause justement des nombreux signalements qu'il a eu à son égard. Les sous reviennent donc à Lucie, et là, il pète un câble. Le lundi, je reçois un mail de Western Union qui me dit « Bonjour, un remboursement est en cours. » Et donc, je contacte Western Union parce qu'il y a quand même un numéro de suivi, tu vois. Et j'appelle, je lui explique « Ah non, je vous confirme bien qu'un remboursement est en cours. La banque du bénéficiaire a refusé le virement, donc vous êtes remboursé de la somme de temps. » Mais c'est merveilleux, en fait. Et donc, de là commence le harcèlement. En remarquant qu'il a reçu aucun virement et toujours dans cette dynamique de vraiment se
venger sur quiconque. Il va continuer la campagne de pipage jusqu'aux 130 000 vues, malgré les supplices, et cela pour, je cite, que de son côté, il n'y ait aucun souci. Le fameux maintien de sa part du contrat pour être juridiquement irréprochable. Alors que dans les règles, le contrat peut être rompu pour tromperie ou manipulation. Il suffit juste de montrer la mauvaise foi de la partie adverse, ce qui n'est pas très compliqué ici. Et tout comme pour Enzo, c'est parti en big diffamation, fausse page Facebook à son nom, une page mensongère sur signalarnaque.com, du harcèlement quotidien en privé, des faux commentaires, bref. Sans bien longue transition, voici quelques mots importants, je pense, de Lucie. Personnellement, j'ai broyé du noir de... c'était fin 2019 que j'ai perdu mon père, 2020 le confinement, 2021 le retour à la vie active, début 2021 l'autre machin qui me fait ça. Enfin, ça a été des prises de décision assez compliquées dans ma vie personnelle. C'est vraiment début 2022 que j'ai repris confiance en moi et que je reprends, entre guillemets, ma vie en main, en fait. Et je vais de l'avant. En étant mieux aussi, j'ai voulu envoyer cette lettre. Elle me concerne pas, mais en fait, quand tu allais à Gendarmerie de Saint-Maximin, que j'ai dit j'aimerais dénoncer ça, j'ai tout mon dossier, j'ai machin, et qui me dit nous on prend pas ça, enfin ça vous concerne pas, il faut un motif de plainte, on peut pas, quoi. Première fois où je suis allée déposer ma main en courante, ils voulaient pas, et pour ma plainte juste après, ils voulaient pas, ah mais non, mais pourquoi vous voulez, mais vous rendez compte quand même qu'il y a mon numéro de téléphone portable sur internet, que le mec il m'accuse d'une chose dont qui est fausse accusation, qui diffamation sur le, mais vous rendez compte de ce qui se passe quand même, je veux porter plainte pour ça, genre c'est mon droit et je ne partirai pas de là tant que je vais pas aborder, ils me l'ont prise ma plainte, hein. J'avais pas, clairement pas le choix. Donc là, quand ils m'ont dit, il faudrait envoyer une lettre au procureur, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est surtout que ça fait plaisir de savoir que je suis pas seule à vouloir la justice sur cette terre, même si après je suis très croyante et je sais qu'il y a une justice divine, mais des fois il faut pas non plus rester bras croisés et attendre, il faut faire les choses, et puis c'est en faisant les choses, selon moi, selon mes croyances, qu'on est facilité ensuite par la vie, parce qu'on se donne les moyens et on reste pas assis sur notre canapé à rien branler, quoi, clairement. Bienvenue, chers viewers ou chers complices, dans ce chapitre évoquant ma propre expérience avec Monsieur X Corporate. Si j'ai tenu à échanger de moi-même avec cet interlocuteur, c'est pour apporter le plus de nouvelles pièces possibles à l'enquête, qui plus est récente et sans intermédiaire. Parce qu'en plus, sachez qu'il a tendance à tout mettre sur le dos, de l'usurpation, du montage, donc on sait jamais que les victimes ne soient pas fiables. Mais alors, qui dit échanger, dit être crédible. Pour cela, voici comment j'ai procédé. Courant juillet, je mets le compte principal en privé et préviens qu'il faudra très bientôt aller suivre un certain compte Insta pour m'aider à réaliser un futur épisode. Entre-temps, je prépare le terrain. Car avant de partir dans le jus, je me dis que si le mec me demande pourquoi machin un truc, etc., parce qu'il se méfie trop lors de l'échange, je dois pouvoir tout lui justifier. Que tout tienne la route et surtout qu'il ne se pose aucune question, qu'il le briderait dans son échange et qu'il ne m'exprimerait pas spécialement. Sinon, si le mec me remballe, j'ai fait tout ça pour rien. Il faut donc que la manière que j'ai de communiquer en public, de présenter mon personnage et son storytelling, soit bien rodée dès le départ. Voire mieux, à ce que Monsieur X croit avoir l'avantage sur moi, vis-à-vis de mes comportements, disons, naïfs et peu avertis. Les jours passent et voilà que, début août, naît Jacob officiel. En 24 heures, vous avez été plus de 600 à vouloir vous y abonner. Merci pour l'intérêt. Vraiment. Sans ça, ça aurait été compliqué. Et si je dis vouloir, c'est parce qu'évidemment, encore une fois, dans le détail, pour ne pas que ça paraisse suspect, que le mec sort de nulle part, il chope 500 abonnés d'un coup, pareil sur les social media des compagnies, je me suis dit que j'allais accepter tout le monde au compte-gouttes. Sans évidemment follow TPZ ou les comptes que je follow avec TPZ. Les semaines passent, c'est toujours dans cette dynamique de crédibilité. Je vais nourrir le feed petit à petit en faisant bien attention de mettre certaines stories à la une pour crédibiliser la fraîcheur du compte, et donc histoire de protéger l'identité de rappeur. Et évidemment, qui dit s'infiltrer en tant que rappeur, dit passer derrière le micro. Mais moi, c'est pas mon taf. Alors ok, poser pour l'occasion, il n'y a pas de souci. Je peux essayer de faire l'exo, c'est du pur 33e degré. Mais le problème, c'est que je suis un chibrax dans l'écriture et ça me prendrait trop de temps à me prendre la tête avec ça. À côté de ça, il y avait le documentaire sur la ligne à préparer et les vidéos de janvier. Pas tout à voir. Et c'est là que me viennent deux idées. Et si je ne faisais qu'un couplet, en invitant à côté 16, un très bon artiste peu reconnu et un des humains les plus polyvalents et efficaces que je connaisse de cette fucking industrie. Comme ça, il gère les 2 minutes 30 restantes du morceau et en plus, il correspond parfaitement au style de morceau que j'ai choisi, du rap croisé reggaeton, qui est l'une des ambiances favorites de Monsieur X dans sa casquette d'artiste. Et ça a son importance, on verra pourquoi. Et je me suis dit, pourquoi pas, en plus de ça, si la maquette nous plaît vraiment, produire le morceau de manière très sérieuse,
pour vous le distribuer ensuite. Voilà, et c'est pas grave s'il n'y a pas de côté révolutionnaire. À la base, l'idée est de faire un morceau léger. Les gens sont capables de recevoir du léger, même si j'ai dû brider 16 pour aller plus vite. Plus sérieusement, de mon côté, ça me permettrait de le remercier pour la grosse épine enlevée du pied. Et voilà une occasion pour essayer de faire pousser une fleur de positif à travers toute cette shit négative qui ressort du contenu. C'est ce qu'on a fait, fin du tease. Vous avez le morceau avec moi sur SoundCloud et celui uniquement avec 16 sur les plateformes. Là, maintenant, à l'heure où ça sort la vidéo, c'est dispo. Et pour un petit peu faire décompresser l'atmosphère et puis ça fait combien de temps là, 40 minutes que vous voyez ma gueule, voici quelques moments en studio. On a perdu un peu de force. Le carajo il était bizarre un peu, mais c'est pas grave. On va la refaire. Ah, on est parti. Peut-être un petit couac vers le milieu. Je vais la refaire, mais on est pas mal. La vibe, le grain, il est pas mal. Ouais. J'ai capté ce que tu veux dire. Il y a un petit moment d'hésitation. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, en vrai, t'es dans la bonne direction. Mais. Filme même métique, c'est pas grave, gros. Je suis dans le noir et j'attends que ton appel. Je suis sous Jack, Daniel meuf t'as pas idée. Il est tard et je commence à m'en faire. Je veux qu'on fasse un duo comme Wisin et Yandel. CP, tu connais Wisin et Yandel? Du tout. Des grosses têtes ma gueule. Mais Black Panou. Je pense c'est ce que tu commences, tu fais Mirame. Alors tu dois faire Mirame. Tu dois faire un tremplin, ouais, progressif, pas dégressif. Essaye de ce que j'entends, ça fait Mirame. Du coup t'as donné le punch au début. À chaque fois c'est sur la deuxième syllabe. Mirame. Je suis dans le mal, sous l'exome il est fluide. Depuis que t'es parti, je fais du tort à ma santé. Tout a changé depuis que t'es plus dans le web. Oh. Sur la deuxième partie, si je crie pas un peu plus au micro, l'énergie c'est parfait. Hein, oh ouais. T'as pas l'intention. Est-ce que ça tu peux le gérer ou tu veux que je le remplace? Attends, on va écouter. Mais là, tu vois, mon univers et tout. Ouais. Genre en mode syndrome de la tourette, de l'étranger et tout là. Ouais. Et tu vois, après, on va dire, imagine ça marche un jour. Par album à acheter, je me. Ah, je vais me faire taper dessus moi là. Les problèmes, ok ça va être simple, ok ça va être juste musicalement efficace. En tout cas ça c'était dans l'idée parce que là dans le détail on est dans le bon. Et je pense qu'on a ce qu'il faut, ouais. Fais une session pour le 16. Je sais que t'as fait tout ce qu'il fallait pour me ranger. Même ta mère t'a dit de laisser tomber. Je sais que t'hésites toi aussi. Dès le mot sur la tépaisance, on est dans le passé, à l'heure actuelle il est 18h, 27 octobre 2022, là probablement joyeux Noël à vous, non peut-être pas. Bon en tout cas, on sort de session avec 16 qui accessoirement pour l'occasion tient la caméra, on a plié un son qui de base devait être tout simple, juste pour aller choper l'arnaqueur et au final on a pris le truc au sérieux, on a poussé le délire, on espère qu'il vous plaira, ça sortira sur les plateformes avec évidemment moi juste mon couplet sur SoundCloud et le reste vous kifferez sans moi parce que je suis pas terrible. Bref, on reprend la vidéo, je fais des bisous à tous ceux qui sont déjà restés jusqu'ici pendant la vidéo. T'es vraiment spontané en fur. Hein. Ouais, je suis spontané. Juste peut-être que le son était trop fort. C'est ça, c'est ça. Bon, ça y est, je suis enfin prêt et crédible. En septembre, la prise de contact s'effectue avec Monsieur X. Dès le premier message, il est important que je pose des mots qui vont lui taper directement à l'œil, disant être intéressé par plusieurs promos. J'ai du budget, je veux faire péter les vues, et ça le sauce un peu au passage. Parenthèse, c'est hyper dur de très mal écrire. Dans les 5 secondes, vraiment, il voit et répond. Très tôt, je lui mentionne des packs promo qui coûtent de grosses sommes pour mieux justifier le fait que je vais lui poser 15 000 questions et que avant ça, il ne sentira pas l'odeur de l'essence, comme dirait un certain rappeur. Et c'est très important de démarrer comme ça, sinon le poteau il va se braquer et me sortir « bon tu payes et tu verras où tu traces ». Première question, qu'est-ce qu'il entend quand il évoque dans toutes ses offres qu'il assure un groupe de centaines de personnes engagées pour développer l'interaction? Est-ce qu'il parle par exemple de ces mêmes fameux comptes qu'il a sur son profil artiste? Complètement fake. Ensuite, je cherche un petit peu à lui faire dire le nom du site qu'il utilise pour
générer des vues. Parce que voilà, il a prétendu à certaines victimes faire ça sur Google Ads, mais bon, ça n'est pas du tout l'interface, mais il ne va pas me lâcher le morceau dans le vocal. Pour la partie ciblage pays, donc quand vous prenez un pack YouTube directement, vous pouvez choisir soit si c'est en vue internationale qui est déjà inclus, soit directement, vous pouvez choisir votre pays et choisir France. Ouais. Maintenant, si vous voulez plusieurs pays, c'est largement possible. Néanmoins, quand je remets l'accent sur le fait que je veux vraiment que ce soit des vrais gens, ah oui, oui, pas de problème. Le vocal d'après, tu sens le mec qui veut vite te renvoyer sur son site web pour acheter ses services. Et t'inquiète, hein, au pire, mets un petit commentaire et on va t'écouter. En fait, vous pouvez directement commander sur notre site internet et arrivé au panier, vous pouvez ajouter un commentaire et comme ça, nous, directement, on peut le lire. Par la suite, je le questionne sur ces fameux collaborateurs déclarés dans Skyrock. Et est-ce que si je paye le pack playlist, je vais passer à la radio? T'imagines? Skyrock, frère. Alors, pour directement, pour les sons radio, on a à peu près sur du 80% de chance, suivant le genre musical du morceau. Et pour les télé, on a à peu près sur du 70%. Autant de chance. Énorme. Avec tout ça, ça m'étonnerait pas mal. Étant donné que des passages radio, ça se paye pas comme ça et avec si peu. Mais bon, quand je les ai mails deux fois, ben, j'ai pas eu de réponse. En même temps, avec la vidéo sortie en avril, ça m'aurait pas étonné. Quant à ma question sur les achats de streams, sa réponse est complètement HS. Dans ces mots, j'entends juste qu'apparemment le poteau, il sait pas où acheter ses streams Deezer et Apple Music. Pour Deezer, c'est très très lent sur notre site. Donc pour le coup, entre Deezer et Apple Music, je conseille pas sur notre site. Par contre, Spotify, tous les autres réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, on est vraiment YouTube. C'est incroyable chez nous. Mais Deezer et Apple Music, pour l'instant, j'éviterai. Vient le moment ensuite où je lui demande si bah, il faut mes codes de connexion pour s'occuper de la com. Non, directement, j'aurais juste besoin des liens. Et après, bah, pour les packs, vous pouvez les prendre sur le site directement. Alors, va falloir m'expliquer comment il fait. Hein, parce que pour toutes les promos, que ce soit sur Google Ads, Snapchat Ads, le FBM, te faut absolument les identifiants ou les droits d'admin. Sinon, bah, ça fonctionne pas. Et encore heureux, parce que sinon, n'importe qui avec des sous pourrait te piper n'importe quoi de manière... voilà. Après ça... petit bilan de nos échanges, il s'éternise pas beaucoup, il a vraiment l'air pressé que je lui commande ses packs et il ne me restait plus qu'à jouer la carte du morceau enregistré. Alors je lui envoie le track, hein, lui disant d'écouter, s'il veut bien me donner un petit avis, surtout si voilà, il pense que c'est mieux tel ou tel pack par rapport au style et j'en tiendrai compte dans mon choix, voilà, cherchant à savoir s'il allait essayer d'un peu plus m'entuber ou pas. Mais pas du tout! Il me lâche trois mots, RAF. Je sens que mes questions, sans avoir encore rien payé, lui font perdre plus de temps qu'autre chose. Sauf qu'en fait, ben, je compte rien débourser, et ça, il a pas encore compris. Alors c'est parti pour terminer la mission, en mettant les pieds dans un plat bien piquant, où il a montré déjà à plusieurs reprises qu'il réagit bien. Quelques jours après, je vais me présenter dans ses DM en évoquant que voilà, j'ai pris connaissance de très mauvais avis sur ses services. Il me sort alors qu'il y a plus de 2000 avis clients très positifs, alors qu'en fait, ben, il y en a tout juste 100. Qui plus est, donc 90% sont postés sur trois mêmes dates. On retombe sur les faux avis. Lorsque je lui demande de me dire au moins ne serait-ce qu'un nom d'artiste avec qui ça s'est bien passé. Et voilà, il me sort ce qui malheureusement est en droit de dire, que c'est confidentiel. Cependant, il m'enverra quand même des messages anonymisés apparemment de clients et on retombe sur ce que je disais précédemment. Les services de Monsieur X conviennent à ceux qui sont satisfaits de payer une fortune, une audience gonflée, s'en foutant du côté décrédibilisant et ignorant que derrière, ils nourrissent un chanteur sexuel. Mes échanges avec lui s'arrêteront là. Il m'a snobé sur pas mal de parties de questions, écourté des réponses, montré sa réticence. Je n'ai donc pu la mener sur tous les terrains que je voulais, mais cela a suffi à confirmer la fiabilité des témoignages et que c'est toujours le même argument derrière. Ce que j'ai conclu de cette infiltration, c'est qu'après avoir abusé de tellement de personnes et sachant qu'il lui faut bien plus se méfier en vue de tous les screens partagés sur lui qui l'ont ficha, Monsieur X ne se met plus en danger si facilement. Il ne m'a plus non plus cherché à bien chouchouter le nouveau client, lui proposant des discussions FaceTime pour échanger sur la stratégie. Bon, in fine, accumuler ses services ou encore montrer qu'il est droit dans ses bottes, même si la personne en face lui prouve par A plus B qu'il ment. À ce jour, et je ne sais depuis quand exactement, tant qu'il n'y a pas le paiement, il n'y met plus d'intérêt. Et in fine, son manque d'implication dans mes messages peut être aussi interprété comme un gars overbooké par son business du fake qui génère tellement de trafic naturel qu'il n'a plus besoin de se fatiguer avec des prospects dubitatifs et casse-couilles avec leurs 15 000 questions, ce qui est d'autant plus inquiétant. Raisonnant de manière semblable à la théorie du mort kilométrique, certains pourraient éprouver du désintérêt quant à cette affaire. Car au pire, Monsieur X n'est pas connu avec ses 40 streams par jour. Faut faire un grand effort, mais je peux comprendre que pour des péons, tout ceci puisse être moins palpitant que si ça concernait un rappeur à 4 millions d'auditeurs par mois. Ok, mais ici, on n'associe pas l'implication à la notoriété, surtout quand on parle d'un causeur de dégâts auprès de plus de 30 femmes, dizaines d'artistes, sans compter les escroqueries depuis 2017 qui agit encore impunément. La réponse de Samuel Finiels, procureur de la République du Var, je le rappelle, est très attendu. En espérant que cette vidéo démotive les malveillants de l'ombre à continuer leurs activités, si vous avez été victime d'affaires similaires, tout comme ce serait le cas pour les artistes avec un certain promo musique, lancez l'alerte
en commentaire. Et de manière générale, permettez-moi de dire que stop, il n'y a pas de miracle pour accroître véritablement sa notoriété, et encore moins avec des budgets qui dépassent pas les 4 chiffres. Surtout si vous traitez avec des comptes Instagram qui s'auto-promo eux-mêmes H24 depuis des années, et qui sont incapables de vous sortir quelconque client approuvé, et en plus gèrent leur bise sur Instagram et pas dans les mails. Sur ce, bonne écoute des morceaux bonus qu'on vous a concoctés et où j'ai posé. Ça ne se reproduira pas non plus demain la veille. Et puis... Le lien pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost à 2,03€ par mois est en description. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez, permettra un accès à divers contenus bloqués. Si vous voulez essayer, profitez-en avant l'expiration de l'offre en bio. Sur la TPZence.